Donc, je vais vous présenter l'activité donc des barres rouges et bleues. Alors, si à la maison vous n'avez pas de Lego, vous imprimez le document que je vous ai envoyé. Donc, il faut colorier les cases donc en rouge et bleu, en commençant par le rouge ici. Donc, rouge, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. D'accord? On colorie et on découpe. Et donc, on obtient. Bon, excusez le coloriage, hein. La maîtresse ne s'est pas appliquée. Vos enfants feront beaucoup mieux que moi. Donc, on obtient des mini barres rouges et bleues en papier. Alors, la première étape, on va d'abord les ranger de la plus petite à la plus grande. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça c'est la première étape. On les range du plus petit au plus grand. Donc ensuite on les met dans le désordre. Donc on commence avec les plus petits, les moyens. On peut commencer avec juste les barres 1, 2, 3, 4 et 5 pour commencer. Voilà, les autres on met de côté pour l'instant. Donc on leur demande, est-ce que tu peux me montrer la barre 2? 1, 2, c'est la barre 2. Est-ce que tu peux me montrer la barre 5? 1, 2, 3, 4, 5, c'est la barre 5. Puis on mélange. Voilà, est-ce que tu peux me montrer le 2, le 4? La deuxième étape, on montre une barre et on demande à l'enfant de nous nommer la barre. Par exemple, ici, c'est la barre et l'enfant doit vous dire que c'est la barre 5. Bien sûr, s'il a besoin, il peut recompter. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la barre 5. Et ça, c'est la barre, il vous dit 2. Quand c'est OK jusqu'à 5, eh bien on rajoute le 6 par exemple et le 7 et ainsi de suite pour arriver à avoir les 10 barres. Donc je vous rappelle, la première étape c'est de demander à l'enfant montre-moi le par exemple montre-moi le 4, montre-moi le 6. Et la deuxième étape c'est vous qui pointez la barre et il doit vous dire c'est la barre, par exemple ici c'est la barre 6, ici c'est la barre 2. C'est en deux étapes. Ensuite, une fois que ça c'est acquis, on va prendre les cartes nombres. Donc en les mettant dans l'ordre. Donc 3, 4, 5. Donc vous faites bien attention pour le 6 et le 9 de mettre un repère pour que l'enfant ne se trompe pas. Le point en bas, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va replacer donc dans l'ordre les barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on place chaque étiquette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait redire à l'enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis en redescendant. C'est plus difficile, mais on essaye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, je n'ai pas précisé, mais dans un premier temps, comme d'habitude, pour les moyens, on commence par les 5 premières barres. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Si jamais l'enfant n'a pas de difficulté, on continue après avec le 6, le 7 et on va jusqu'à 10. Ça, c'est la première étape, c'est d'associer les barres et les étiquettes dans l'ordre.
Ensuite, on va le faire dans le désordre. Donc, toujours pareil, on commence par les 5 premières pour les moyens. Et puis, quand c'est bon ou pour les grands, on prend les 10 barres. Donc là, je considère qu'on est avec des grands, par exemple, ou alors avec des moyens qui arrivent jusqu'à 10. Donc, on a les 10 barres dans le désordre étalées sur le tapis. J'ai mon ensemble de cartes avec les nombres. Voilà. Donc, on demande à l'enfant qu'est-ce qui est écrit sur cette étiquette. Donc, il vous répond 3. Où est la barre 3? Et j'associe la barre avec son étiquette. On vérifie. 1, 2, 3, c'est la barre 3. Le 2, 2, je vérifie. 1, 2, c'est la barre 2. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la barre 6. On place comme ça l'ensemble des étiquettes à côté, associées à chaque barre. Et la toute dernière étape, elle se fait à distance. C'est-à-dire que je place les barres, je les place par exemple dans un coin de la pièce, exemple sur la table par exemple, ou sur un tapis par terre. Et puis je m'éloigne, je me mets dans un autre endroit de la pièce ou même dans une autre pièce. Et donc là, je suis face à l'enfant, je lui donne une étiquette, par exemple celle-ci. Je lui demande qu'est-ce qui est écrit sur cette étiquette. Il doit me répondre 5. Donc je lui demande d'aller me chercher la barre 5. Donc lui, il va dans la pièce d'à côté ou à l'endroit où se trouvent les barres. Il doit garder en mémoire qu'il doit chercher la barre 5. Il doit la reconnaître, vous la portez et effectivement, on vérifie ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien la barre 5. On fait pareil avec l'ensemble des cartes. Ça, c'est le 8. Donc, va me chercher la barre 8. L'enfant vous rapporte la barre. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien la barre 8. Et on fait ainsi pour toutes les barres. Comme à chaque fois, vous commencez d'abord par les 5 premières. Et puis, si vous voyez que votre enfant maîtrise, vous continuez 6, 7 pour arriver jusqu'à 10. Voilà pour cette activité des barres rouges et bleues avec les barres en papier.